Alors désolé pour cette coupure, je suis repassé en qualité moyenne parce que je pense qu'il y avait des petits problèmes de cuivre. En espérant que je vais en trouver, parce que j'ai pas l'impression que j'en ai dans ce système. Essayer d'aller sur un objectif. On va aller sur la tour de transmission. On va pouvoir peut-être récupérer une technologie intéressante ou du loot. Puis réacteur désactivé. Donc là, il va falloir que je fasse le plein en tanium. Voilà. On va se poser à côté de la tour. Voir ce que c'est ces bestioles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment bizarre. J'essaie de la nourrir. Voilà, je l'ai nourri. C'est plutôt rigolo. Donc, on va retourner sur la tour de transmission. Alors je pense que cet extraterrestre va nous soumettre une énigme. Forme de vie, Corvax, énergie, entité. Je pense que je vais lui serrer la main. J'ai gagné un cadeau que je connais déjà, c'est dommage. Bon, au final, j'ai rien gagné. Alors, une nouvelle énigme. Elle a l'air assez simple, hein. Il suffit de retirer donc 5 à chaque fois. Pardon, 86. Non, donc là c'est 7, 6, 5. Donc 81 moins 4, ce qui nous fait donc 79. 77, pardon. Donc, on a obtenu les coordonnées du signal d'une espèce. Thank you.
Et on a obtenu les coordonnées d'un nouveau vaisseau, donc on va aller tout de suite le voir. Ça peut être intéressant. Sortir de l'atmosphère histoire de récupérer de la vitesse pour aller un peu plus vite, sinon pas se taper 20 minutes de trajet. Voici le vaisseau. On va tout de suite voir combien d'emplacements il a. Il a 27 emplacements. Donc il y en a un de plus que le mien. On va comparer les deux. Donc, au final, il est pas tellement intéressant, à part pour le rayon phasique. J'ai volontairement de retirer le rayon phasique pour améliorer le canon à photons. Donc il a quand même un réfrigérant phasique en plus de 3. Alors le problème, c'est que quand vous récupérez un nouveau vaisseau, il faut refaire toutes les technologies pour le remettre d'aplomb. Et ça implique donc que vous devez crafter de nouvelles ressources. Bon, en même temps, pour un emplacement de plus, je pense qu'on peut se permettre. Alors ne jamais oublier de transférer toutes les ressources que vous avez actuellement sur votre vaisseau. Sinon, vous les perdrez. Ok, donc là, ça.
Ça m'embête de jeter de l'aluminium quand même. À la limite, je vais jeter du carbone, c'est assez simple à récupérer. Voilà. Et on prend notre nouveau vaisseau. Qui est totalement hors d'usage. Alors la première chose qu'on va réparer, ça va être le pulso-réacteur ainsi que le propulseur de décollage qui vont nous permettre de décoller et de pouvoir voler dans l'espace. Feuille de karyte, ça devrait être assez simple à fabriquer, il faut du fer. Une nouvelle espèce découverte, c'est un monstre. C'est vraiment pas mal que je trouve du fer pour faire mes feuilles de karyte. On va aller se réfugier dans cette grotte histoire de récupérer notre combinaison. Avoir du fer ici, c'est bon. Alors j'ai pas regardé le niveau des sentinelles en arrivant sur la planète. Sachez que le niveau des sentinelles n'est jamais le même sur chaque planète. Elles peuvent être assez tolérantes quand vous récupérez des ressources, ou au contraire elles peuvent être assez agressives. Dans ce cas il faut faire attention parce qu'elles vont rapidement vous attaquer. Ok, donc là on va pouvoir créer nos 4 feuilles de karyte, je pense. On va pouvoir réparer déjà notre propulseur de décollage et on va l'équiper avec du plutonium que je n'ai pas. On va aller chercher du zinc en même temps, du zinc et du plutonium. On va peut-être prendre du fer aussi. Et c'est la tempête, il fait 308 degrés sur cette planète, c'est affolant. Je suis en pleine tempête. J'ai récupéré du plutonium. Du zinc, c'est parfait. Dans la grotte. Et la tempête est finie, c'est parfait. Donc là on a beaucoup de plutonium. Je vais faire le plein. Je ne suis pas assez près du vaisseau donc je ne peux pas recharger mon vaisseau en plutonium pour le moment. Assez petite cette grotte finalement.